reste encore un dans la buanderie. Maman. Quoi? Tu vois, tout va bien. Ashley, on va être en retard. J'arrive. Tu es sûre que tu peux pas mettre quelque chose de plus joli? Ouais, maman, je suis sûre. Bon. Tu es prête? Ouais. Ça va bien se passer. Ouais, c'est qu'un lycée comme un autre. C'est bon, arrête-toi, je vais descendre là. Quoi, ici? Ouais. Ashley, c'est un peu excessif. Je préfère ne pas prendre de risques. La plus puissante des civilisations. Bonjour. Ah, attendez. Tenez. Ouais, merci. Je m'en occupe. Il luttait. Il se battait jusqu'à la mort. Tu bouges ou tu prends racine? Joli ton sweat. Oh. Voilà. Merci. De rien. Mademoiselle Berdal travaillait ici, alors j'espère que l'endroit vous conviendra. Absolument. Et tant mieux parce que nous n'avons pas d'autres salles disponibles. Bon, maintenant voyons votre emploi du temps. En première heure, vous êtes libre. Vous avez cours de 9 à 10, puis de 11 à midi, pause déjeuner. Et ensuite cours de 15 à 16. Très bien. Parfait. Et si vous avez besoin d'un renseignement, appelez-moi. Ça, c'est Monsieur Carlyle. Qu'est-ce qu'il fait dans cette tenue? Ne me lancez pas sur le sujet. Oh. Je vous laisse, je dois retourner dans mon bureau. Oh, ok. Passez me voir cet après-midi. Merci. Max ! Hé ! Arrête de quoi? Faire ça. C'est à moi que tu parles? Ah, j'avais cru. Salut Burnside, ça va? Ouais, alors, tu vas chez Allison ce week-end? Ah ouais. Ouais, ça va être méga tough.
Asseyez-vous. Je vois que nous avons une nouvelle élève. Veuillez vous lever et dites-nous votre nom. Je m'appelle Ashley Evans. J'espère que vous n'avez pas trop de retard sur notre programme, mademoiselle Evans. Asseyez-vous. C'est toujours un plaisir d'avoir une nouvelle tête parmi nous. Allez, ouvrez vos manuels, page 207. La fille. Ah. Bonjour. La Rome antique était l'une des sociétés les plus puissantes et les plus avancées au niveau technologique du monde. Mais aussi l'une des plus violentes. Maintenant, quelqu'un peut-il me dire ce qu'est le Colisée? Ah, mes parents l'ont vu lors d'une croisière l'an dernier. Incroyable. Comment c'était? Incroyable. Monsieur. Oui. Le Colisée est un amphithéâtre de Rome. Bravo, Wei. Exact, c'est l'amphithéâtre de Rome. Merci, Wei. Le Colisée de Rome était le plus grand de tous les lieux de divertissement. Imaginons que vous vouliez assister à un combat de gladiateurs. Ouais. Quelle place vous occuperiez? La place que j'occuperais? Je me battrais. Au beau milieu de la reine. Ouais. Très impressionnant. Nick? Moi, une loge, là où l'empereur s'asseyait. Très bien. Carrie? Je suppose que ça fait de moi une reine. Ou une impératrice. En tout cas, c'est clair, je serai pas au dernier rang. Ouais, c'est clair, je comprends. Grave. On continue, qui d'autre? Max? Oh, je serais peut-être simplement... Max? Il serait flippé au milieu de l'arène en train de mouiller son pantalon. Ouais, en attendant que je le massacre. En tant que gladiateur, vous auriez de nombreux adversaires à combattre. Pas de problème. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Qu'avez-vous dit? Rien. Si, vous avez dit plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se battait jusqu'à la mort. Blondie a raison. Il se battait jusqu'à la mort, parce qu'ils appartenaient à la plus basse des classes sociales. Quoi? La plupart étaient des prisonniers de guerre, des esclaves, des criminels, ou bien encore des malheureux que les Romains avaient torturés. Ils n'avaient pas vraiment le choix. C'était soit se battre, soit mourir. D'un bout à l'autre du Colisée, la foule hurlait. Les gens se déplaçaient en masse pour assister à l'ultime combat. À quoi ça vous fait penser aujourd'hui? Au match de boxe? Des bagarres que l'on va voir en groupe. Autre chose? Monsieur, le football américain. Oui, oui. Le cinéma? Bien, Carrie, très pertinent. Voyez-vous, la violence est tout aussi présente dans notre société actuelle qu'elle l'était dans la Rome antique. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne tuons plus personne en guise de divertissement, mais nous sommes toujours fascinés par la souffrance et la mort. Qui ne s'est jamais arrêté sur le bord de la route pour voir un accident? Quand une maison est dévorée par les flammes, pourquoi se précipite-t-on pour filmer la scène sur nos portables? Vous n'avez jamais laissé un commentaire négatif en ligne ou répandu une rumeur? Je sais que nous parlons des Romains et de l'immense bonheur que suscitaient ces spectacles cruels, mais je crois que la question que l'on doit se poser aujourd'hui est la suivante. Pourquoi prend-on autant de plaisir à regarder les autres souffrir? L'histoire est toujours en marche. Quelle sera votre histoire? Tu fais quoi ce soir? Rien. Pourquoi? T'as un plan? Faut voir. Aïe. Fais gaffe. Tiens. Merci. De rien. Je m'appelle Max. Moi c'est Ashley. T'as cours de quoi là? Espagnol. Ah, moi c'est art dramatique. On a un nouveau prof aujourd'hui. À plus. Très bien. Les présentations étant faites, j'aimerais savoir ce que vous avez fait avec votre ancien professeur. Sur quelle pièce avez-vous travaillé ce semestre?
La distribution des rôles est déjà faite ou il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas été attribués? Un volontaire? Ah, merci. Ma chérie, tu peux me passer une tomate? Alors, cette première journée de lycée? Une simple journée de cours. Allez, parle-moi au moins d'un cours. D'accord. J'ai bien aimé le cours d'histoire. C'est vrai? Le prof est pas un peu excentrique? Il est spécial. Je sais que la situation est pas idéale, mais on a de la chance, c'est pas facile de trouver une place au milieu de l'année scolaire. Tu veux dire que c'est une chance que l'ancien prof d'art dramatique soit mort? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Appelle ta mère! Excuse. Hey! Non, mais t'es complètement malade! Tu m'as poignardé dans le dos alors que j'avais confiance en toi! Lisa, comment t'as pu me faire une chose pareille? Très bien. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Où avez-vous trouvé cette robe? Oh, dans un magasin de costumes il y a quelques années. Je pensais m'en servir pour notre pièce. Je me présente, Julie Johnson, le nouveau prof d'art dramatique. Kevin Carlyle, histoire. Elle est comme neuve. Vous êtes très soigneuse. Merci. Tu peux leur faire confiance. Eux, ils savent s'amuser. Tu veux que je te fasse un topo sur la faune du lycée? Ouais, vas-y. Bon, là, tu as le groupe des intellos. Ils ont déjà leur passeport pour entrer dans les meilleures universités. Mais ils sont sympas. Là, le programme d'échange d'étudiants au complet. Brésilien, allemand, italien, espagnol, norvégien. Ils sont tout le temps fourrés ensemble, mais chacun parle sa langue. On se demande comment ils font pour se comprendre. Et ensuite, là-bas, les skateurs et les théâtreux. Ils ont fusionné depuis qu'une fille qui fait du théâtre sort avec un mec qui fait du skate. Ils pouvaient vraiment pas se supporter avant. Mais maintenant, c'est cool. Là, c'est Nick, le chef de ce... gang.
Oui. En rouge, c'est Burnside, son pote. 95% de masse musculaire et 5% de cerveau. Et là, il y a Carrie, la reine mère. Comme tu vois, cette fille a toute une cour qui se prosterne à ses pieds. Se prendre pour les rois du monde, c'est tout ce qui les intéresse. Je vois. Alors c'est le groupe à éviter. J'essaie de pas faire attention à eux. Le lycée, ça dure pas toute la vie. Cours à l'amphithéâtre. Oh, cool. Tu sais où c'est? Ouais, je vais te montrer. Je te suis. Je suis sûr que le prof va encore nous faire un de ses cours de ouf. La classe! Vous devez passer un temps fou à décoter tous vos costumes. Carrie, combien de temps avez-vous mis pour choisir vos vêtements ce matin? J'ai changé d'avis plusieurs fois. Peut-être 20 minutes. C'est ça, les filles. Ça ne concerne pas que les filles. Nick, si je ne m'abuse, le t-shirt que vous portez est issu d'une de ces fameuses boutiques à la pointe de la mode. Quoi, chiffon, là? Vous faites comme si vous aviez sorti n'importe quel t-shirt de votre armoire sans trop réfléchir. Or, je suis prêt à parier que vous l'avez payé au moins 50 dollars. Non, 70. Et alors? Eh bien, ça veut dire quelque chose, la façon dont on s'habille. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ce n'est pas anodin. Ça fait partie de nous, de notre culture. Ça fait partie de notre histoire. Depuis les temps les plus reculés du Moyen-Âge, nous avons une vision romantique des chevaliers, de ces hommes merveilleux et de leurs prouesses. Juchés sur leurs fougueux destriers blancs, ils volaient au secours des damoiselles en détresse. Mais qui étaient-ils? Eh bien, pour la plupart, c'étaient des fils d'aristocrates, des enfants de nobles. Quelqu'un connaît-il le lien entre la galanterie et la chevalerie? La façon de se comporter avec les filles? Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Les filles le fuient comme les oiseaux quand ils voient un épouvantail. Oui, Max. La galanterie vient de la chevalerie, c'est ce qu'il en reste aujourd'hui. Monsieur? Oui, Way. Chevalerie. Principes et règles de vie des chevaliers au Moyen-Âge. Oui, c'était un code de conduite, un code d'honneur pour les chevaliers. Loyauté, obéissance à Dieu, fidélité au roi et au pays, humilité et charité. Bande de tocards. Les chevaliers étaient les protecteurs des faibles. C'étaient des guerriers. Ils n'avaient pas pour seul but de se battre, mais de protéger. Ça vous plairait d'être chevalier aujourd'hui? Non, pas vraiment. Pourquoi? À part pour monter à cheval, je vois pas l'intérêt. Les chevaliers brillaient sur le champ de bataille et dans la société. Ils étaient l'exemple de comment un homme doit se comporter. Ils protégeaient les faibles et les plus démunis. Ils se battaient contre les monstres qui menaçaient leur terre. On s'en tape! C'est ce que ceux qui n'avaient pas l'étoffe des chevaliers disaient. Ils étaient plus occupés à être des monstres que des protecteurs. Peut-être. Tout manquement au devoir du chevalier était considéré comme une trahison. Pas étonnant qu'ils aient tous disparu. Erreur, ils existent encore. Bien qu'ils n'aient que le titre et qu'ils aient perdu leur armure. Mais même si l'armure a disparu, les idéaux du chevalier ne devraient jamais disparaître. L'histoire est toujours en marche. Quelle sera votre histoire ? Qui voulait être discrète, c'est réussi. Merci pour votre participation, Ashley. Merci pour votre cours, monsieur. Attendez,
J'ai fait une liste de sujets d'exposés à rendre en cours d'année. Le plus important s'intitule « L'histoire dans votre vie ». Oh, d'accord. Il s'agit de faire une vidéo traitant d'un événement historique et de le relier à votre vie. Ma vie ? Mm-hmm. C'est ce que j'explique ici. D'accord. Merci. J'ai découvert un virus sur l'ordinateur de ma tante. Il a été conçu pour recueillir des informations puis les renvoyer à son concepteur. J'ai fini par trouver d'où il provenait. Regarde ça. Sacré boulot. C'est quoi ? Oh, fais attention ! Nick, tu pourras au moins faire gaffe à mon ordi. C'est comme ça que tu te défends ? Tu vas le laisser tranquille, ouais ? Oh, Max, t'as de la chance d'avoir un chevalier qui te protège. Dis-moi, t'aimerais, toi, qu'on te fasse ce genre de choses ? T'as pas harcelé assez de gamins à la récré, il y a 10 ans ? Ouais, bon. Salut, les tocards. Ça va ? Ouais. Dis-moi, tu connais une fille qui s'appelle Angie ? Non, ça me dit rien. J'ai une élève qui abandonne la pièce. J'avais pensé à elle pour la remplacer. Ah ouais ? Sur quel rôle ? Olivia. On va jouer la nuit des rois. Tu ferais une magnifique Olivia. C'est pas le rôle principal. Maman, j'ai un emploi du temps qui me permet pas de faire du théâtre. Tant pis. Vous n'avez pas terminé. Ben, j'ai rien capté. Peut-être qu'en passant moins de temps à faire le pitre avec vos camarades et en étant plus attentif en cours, vous comprendriez. Reprenez votre copie et refaites les exercices chez vous. Faites un effort. C'est à moi. Hé ! C'est pour ça que t'as tout faux. C'est Y, pas X. Tu fais la même erreur sur tous les problèmes. Monsieur Carlyle. Madame Tanner, quelle surprise! J'ai entendu parler d'armes dans vos cours dont une aurait coûté la tête à un mannequin. Quoi, ça? C'est une épée en plastique, si vous voulez parler de ça. Vous en avez d'autres? Oh, toute une armée. Et qu'est-ce que vous faites avec une armure? Ça fait partie de mon cours. J'apprécie que vous soyez autant investi dans la matière que vous enseignez, mais il faut savoir faire preuve d'un peu de bon sens. Vrai ou fausse, une épée risque d'envoyer un mauvais message. Et êtes-vous conscient du poids que pèse une armure? C'est moi qui la porte, pas les élèves. Il n'empêche qu'elle peut être utilisée comme une arme. Un livre scolaire, c'est pareil. Mais à un moment donné, il faut avoir foi en l'humanité. En tant que proviseur, je dois répondre aux inquiétudes de nos élèves et de leurs parents. Alors dites-leur de prendre garde à la dangerosité des manuels. Ils ont des coins pointus. Oui, j'y penserai. Bonjour. Bonjour. Une petite pause ? Madame Tanner n'est pas fan de vos méthodes. Je ne lui en veux pas. Je sais que ma pédagogie est particulière. Vous en êtes conscient ? Désolée, je veux dire, vous avez l'air tellement habité parfois. J'ai toujours été fasciné par l'histoire. Comment dire ? Les grands événements ou les batailles telles qu'elles sont relatées dans les manuels ne laissent apparaître aucune émotion. Mais pour comprendre l'histoire, il faut la vivre. Et pour la vivre, il faut se transporter dans le contexte, quel qu'il soit. Les événements ont eu des répercussions irréversibles sur la vie des gens. Vous faites votre métier avec passion. Oui, mais ma passion rend tous les proviseurs de lycée cinglés. Et je ne suis pas toujours le programme dans l'ordre. Je préfère me concentrer sur la thématique. Le message. Le message ? Oui. Le véritable message que l'histoire nous envoie. L'histoire ne se résume pas à des dates et des faits. Enseigner l'histoire doit mener à l'éveil des consciences. Les élèves peuvent ainsi s'emparer, l'intégrer et donner un autre sens à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Oh, maintenant je comprends pourquoi Ashley apprécie autant vos cours. Ashley ? Oui, c'est ma fille. Mais elle ne veut pas que ça se sache. Vous, votre nom de famille, c'est Johnson ? Oui, elle a gardé le nom de son père, mais moi j'ai repris mon nom de jeune fille. Ah.
Devoir de maths. De science. Intéressant. Bah, si on considère que les équations chimiques présentent un intérêt, ouais. On se fait un film? Je peux choisir? Mais non, je t'ai pas fixé ta montre. Alors, explique-moi pourquoi tu la portes sur cette photo que tu viens de découvrir. Fais voir. Non, mais c'est toi sur cette photo, c'est pas moi. Mais c'est toi aussi qu'on brasse le grand blond que j'ai jamais vu de ma vie. Julie. Bonjour. Désolé. Bonjour. Je voulais vous demander si vous... Voilà, c'est au sujet de votre robe. Vous me la prêteriez? Non, 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 non. Le costume de l'autre jour. Ah, oui, bien sûr. Génial, merci. Oh, je peux vous prendre, vous aussi? Excusez-moi. J'ai besoin d'une volontaire. Regarde celle-là. Carrie. Carrie, veuillez avancer au milieu de la scène, s'il vous plaît. Merci. Voilà, très bien. Maintenant, imaginons que vous voyez un garçon qui vous plaise. Ça, c'est pas trop compliqué. Comment vous y prenez-vous pour l'aborder? Facile, je vais le voir et je lui parle. Si vous étiez au 19e siècle, je vais vous montrer. Max, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Merci. Venez, approchez. Placez-vous ici. Selon les règles de bienséance, une femme ne pouvait pas adresser la parole à un homme tant qu'elle ne lui avait pas été formellement présentée. Donc, Milady Carrie, permettez que je vous présente Max Millian, de la dynastie des Bentley. Max, veuillez saluer Carrie. Bien, Carrie, faites une révérence. Quoi? Une révérence. Oui, très bien. Allez vous asseoir. Bon, c'était de cette façon que deux personnes faisaient connaissance. Voyons maintenant comment on se faisait la cour, comment on draguait. Classe de révérence. À l'époque, dans l'ancien temps, l'unique occasion qu'avait un homme pour donner rendez-vous à une femme était le bal, les lieux où l'on dansait. Le bal était alors le seul véritable lieu d'échange entre la gente féminine et masculine. Voici maintenant comment cela se passait. Les femmes recevaient un carnet de bal. Carnet de bal sur lequel les hommes avaient pris soin de noter leurs noms. Et à la fin de la soirée, les femmes relisaient les noms de leurs cavaliers, puis élisaient ceux qu'elles avaient préférés. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, j'aimerais vous présenter Madame Johnson, notre nouveau professeur d'art dramatique. Ensemble, nous allons vous faire une petite démonstration de ces danses que vous allez ensuite tous apprendre. Attention, je préfère vous prévenir, il ne s'agit pas de se contorsionner comme vous le faites aujourd'hui, genre... Non, là, je parle d'une vraie danse avec des codes. C'est clair? Bon. Grâce à la danse, une vraie communication pouvait s'instaurer. Les échanges ne se faisaient pas par texto, ni en parlant sur des réseaux sociaux. Il y avait un homme en tête à tête avec une femme. Ils étaient face à face, pendant qu'ils dansaient. La danse était souvent la toute première fois... où il vous était enfin permis de tenir la main d'une femme. Comme ceci. La danse autorisait un certain rapprochement des corps. Et les conversations privées. Bien, à vous maintenant. Allez, montez sur scène. Nous allons faire un essai. Monsieur Carlyle, je veux pas prendre le risque de me blesser avant les championnats, alors... Si vous vous blessez en effectuant ce genre de danse, c'est que votre réputation de grand sportif est usurpée. Bon, vous allez vous mettre par deux. Nick et Ashley, Max et Way, Brenda et Patrick. Allez, on vous attend. Bien, vous êtes prêts? Prenez votre cavalière comme ceci et suivez-nous. Pendant la guerre de sécession, danser était un loisir fort prisé. C'était, pendant un temps, un moyen d'oublier le conflit et les effusions de sang. Il faut savoir que lorsque vous assistiez à un bal, vous étiez censé danser.
Le but étant de voir du monde et de faire des rencontres. Tu danses avec moi ou avec quelqu'un d'autre? T'es jalouse? Prends pas tes rêves pour des réalités. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Tu viens seulement d'emménager ici? C'est ça ta question? Non. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais? Rien. Les garçons comme toi, je les connais, c'est tout. Qu'est-ce que je dois comprendre? Cherche pas à comprendre. Danse. Non. Je veux savoir. Très bien. Je les reconnais vite, les égocentriques qui se prennent pour les maîtres du monde. Ils peuvent pas passer deux secondes sans rabaisser quelqu'un. Et pourquoi? Parce que ça leur donne l'impression d'être supérieurs. Je suis pas comme ça. Ah ouais? Alors prouve-moi le contraire. Tu veux que je te dise? J'ai rien à te prouver. Et encore moins une paumée dans ton genre. T'as raison. Peu importe ce que je pense de toi. Et un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois et quatre. Ah. Félicitations à tous. Maintenant, vous regardez votre partenaire et vous saluez ou vous faites une révérence. Milady. Salut. Salut. Alors, cette fin de journée? Ça a été. J'ai un élève qui s'est coupé un doigt en tournant une page aujourd'hui. Non, c'est vrai? J'ai même dû l'envoyer à l'infirmerie tellement ça saignait. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est arrivé ici? J'ai signalé notre changement d'adresse au bureau de poste. Oui, mais maintenant, on peut nous retrouver. Tu n'as rien à craindre. T'en es sûre? Elles ne viendront pas te poursuivre jusqu'ici. Elles ont déjà eu ce qu'elles voulaient. Ma chérie, c'est que de la pub. Tu veux qu'on sorte dîner ce soir? Ashley? Tu me suis maintenant? Non. J'ai vu que tu revenais ici et je me suis demandé ce que tu faisais. Je visite, comme tu vois. Mon ancien lycée était très différent. C'est qu'un vieux tas de pierres. Plus personne vient se balader dans le coin. C'est justement ce qui me plaît. Alors c'est vrai? T'es plutôt du genre solitaire comme fille. Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Je suppose que t'as pas de petite amie. Je me trompe? Comment tu oses poser des questions aussi indiscrètes? C'est vrai, ça me regarde pas. Je demandais ça parce que tu as Arrête. Dit que... Bon, d'accord. J'essayais d'être sympa avec toi, c'est tout. Ouais, bah t'as encore beaucoup de progrès à faire. Pourquoi? Pourquoi quoi? Bah, pourquoi tu veux être sympa tout d'un coup? Quel intérêt ça a pour toi maintenant? Aucun intérêt. D'accord. Au lycée, tout le monde me connaît. Tout le monde, sauf toi.
et alors? J'ai du mal à te suivre. D'abord, tu me casses et ensuite, tu me rends service. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te présente des excuses? Non. C'est que... Je comprends pas. Pourquoi t'as fait ça? Je t'ai aidé en maths et alors, y a rien d'extraordinaire. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je l'aurais jamais fait. Oh, je sais. Disons que c'était une bonne action. Ouais. Faire de bonnes actions. C'est pas vraiment mon truc, hein. Tout le monde peut changer. Tu crois? Oui. Tu crois qu'on peut changer? Oui, je crois, okay. J'en suis même certaine. Tu le connais bien, Max? Oui. Et alors? Pourquoi t'es aussi dur avec lui? Je suis pas dur, je suis sympa avec lui. Oh non, ça non, t'es pas sympa. Ouais, c'est vrai. Max et moi, on a grandi ensemble. On était très amis tous les deux. Et ensuite, il s'est lancé à fond dans l'informatique. Et moi, c'est pas trop mon truc. Alors, on s'est éloignés l'un de l'autre. Comme tu l'as dit, les gens changent. Ouais, mais il y a une différence entre changer tout court et changer en mieux. Bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais j'ai un devoir à vous donner. Alors, voici le sujet. Je veux que vous choisissiez un endroit chargé d'histoire. N'importe quel lieu. Ça peut être un hôtel de ville, un musée, un monument, ce que vous voulez. Visitez-le, décrivez ce que vous voyez et dites ce que ça vous inspire. Le devoir doit faire combien de pages? 2 ou 3 pages. Oh. Mais vous pouvez faire plus long. Ouais, bien sûr. À rendre la semaine prochaine. Mon Dieu. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas. Oh, désolé. Vas-y, passe. Merci. T'es sûre d'avoir mis les clés dans mon sac? T'as vérifié tes affaires de cours? Ouais, j'ai déjà regardé. Tu les as vues quand, la dernière fois? Hier. Je suis rentrée à la maison, j'ai posé mon sac à main. T'as fait quoi ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Je me suis servi à boire, j'ai payé le loyer, j'ai préparé le dîner. Je les ai retrouvées. Dans le placard de la cuisine. Tu veux quelque chose de particulier? Des chips et des céréales. Comme d'habitude. D'accord. Merci, maman. Bonjour. Bonjour. Est-ce que... Ashley est là? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais l'intention de commencer le devoir d'histoire de la semaine prochaine. Tu l'as attaqué? Non. J'ai trouvé un endroit super. Peut-être qu'on peut y aller ensemble. C'est une bonne idée, non? Tu devrais y aller. Ça te ferait du bien de sortir. Je vais mettre mes chaussures. C'était bien Madame Johnson? Ouais. Alors, le prof d'art dramatique, c'est ta mère? Oui. Mais, s'il te plaît, ne le dis à personne. D'accord. Merci. Et Carrie, elle a pas voulu venir? Non, elle avait d'autres trucs à faire. Ça va pas l'embêter? Non. Pourquoi? Y a pas de raison, c'est pas un plan drague. Il manquerait plus que ça. Il est super ce musée de l'aviation. Tu viens souvent ici? C'est la première fois. D'habitude, je regarde les avions depuis la route. J'ai tout de suite pensé à cet endroit quand M. Carlyle nous a donné ce devoir.
Bang, dis-moi. C'est quoi ton histoire? Mon histoire? Oui, ton passé. Je sais pas grand-chose sur toi. Sauf que t'es calme et discrète. Enfin, quand tu te mets pas en colère. Où t'habitais avant? Dans une petite ville, à quelques heures d'ici. Ce sont tes parents qui ont été mutés ici? Pas mon père. Alors, c'est ta mère. Quoi? Ta mère. Elle est venue remplacer le prof d'art dramatique. Oh, oui. Ça doit être dur de changer de lycée en milieu d'année. Il te manque pas trop, tes amis? Je m'adapte. Ils sont magnifiques. Le grand-père de ma mère a piloté un de ces avions. C'est vrai? B-17. La forteresse volante. Première guerre mondiale. Attends, quoi? Seconde guerre mondiale? Ouais, ce genre d'avion n'existait pas pendant la première guerre mondiale. Ouais, ben... l'histoire et moi, ça fait deux. Donc ton arrière-grand-père était dans l'armée de l'air? Ouais, et un jour, pendant qu'il survolait l'Allemagne, on lui a tiré dessus. Sans blague? Ouais. Il y a eu des dégâts? Ça a déchiré tout un côté de la carlingue. Un des soldats s'est retrouvé coincé dans l'empennage. 5 autres ont sauté en parachute, au cas où il ne réussirait pas à poser son avion. Les autres se sont servis des sangles de leur parachute pour faire tenir la queue. Ils s'en sont sortis? Ouais. Il a réussi à poser son avion. Enfin, ce qui restait de l'avion. On lui a décerné une médaille. Il est toujours vivant? Non. Il reste peu de survivants de cette époque. Waouh. Ça, c'est une belle histoire. C'est pas qu'une histoire. Ça s'est réellement passé. Merci pour la visite. De rien. Pourquoi tu m'as demandé de t'accompagner? Bah, j'en sais rien. Je me suis dit que ça te plairait. Bah, c'est réussi, ça m'a plu. Merci encore. Merci à toi d'être venu. On se voit au lycée? Ouais. Oublie pas de faire ton devoir. J'oublierai pas. Je crois que je sais déjà ce que je vais écrire. Salut. Son arrière-grand-père a sauvé l'avion et les hommes qui étaient à bord. Avant, pour moi, c'était une guerre parmi tant d'autres qui avait eu lieu il y a des années. Et pour certaines personnes, c'est du vécu, du concret. Ce qui donne un nouvel éclairage sur les événements. Le fait d'avoir vu ce B-17 a changé ma perception de la guerre. Ce n'était pas qu'une histoire. C'était un moment de l'histoire. Bonjour, vous. Qu'est-ce qui vous amène ? Un exploit, un délicieux moment de triomphe. Un de mes élèves a enfin compris quelque chose. Oh, lequel? Nick Thomas. J'en suis ravie. Ce jeune homme et Ashley ont l'air d'avoir fait connaissance. C'est un gentil garçon? Il a du potentiel. S'il passe du temps avec ma fille, je pose la question en tant que maman. Il a du potentiel. Mais qu'est-ce que... c'est que ça? Oh, c'est une machine à fumer. Je m'en sers dans certains spectacles. Je suis très loin d'être une mère tyrannique, mais il est normal que je surveille ses fréquentations. J'ai pas envie que ma fille sorte avec n'importe qui. Kevin?
L'armée de Washington se composait de troupes disparates et indisciplinées. Elles n'avaient ni l'entraînement, ni la nourriture, ni l'équipement des Britanniques. Ainsi, 3 mois auparavant, il transmit un ordre général aux troupes qu'il commandait. Ce jour est proclamé comme étant un jour de jeûne, de mortification et de prière pour implorer en toute humilité la miséricorde du Tout-Puissant qui lui plaise d'accorder son pardon pour nos multiples péchés et nos nombreuses offenses, qu'il insuffle force et courage aux troupes des colonies unies et qu'enfin il instaure la paix et la liberté de l'Amérique sur des bases solides et durables. Attendez, monsieur. On n'est pas à l'église, là. Hein? Grand sens de l'observation. Ben, pourquoi vous nous faites la messe, alors ? Je viens de citer Washington. La religion tenait une place importante dans sa vie. Elle fait donc partie de l'histoire. Poursuivons. Les forces britanniques et américaines se préparaient à la bataille de Long Island. Il était bien évident que les Britanniques étaient en mesure de battre les Américains à plate couture. Ils avaient placé leurs bateaux de manière à empêcher toute possibilité de retraite. Désolé. Il ne leur restait plus qu'à attendre la reddition de Washington qui sonnerait la fin de la Révolution. Pensez au désespoir qui a dû s'emparer des troupes américaines. Dieu les avait-il abandonnés? S'étaient-ils battus en vain jusqu'à maintenant? Pensez à votre expérience personnelle. Avez-vous déjà eu un défi à relever? Un obstacle à surmonter qui vous rendait la vie insupportable? Avez-vous cru que c'était la fin du monde? Eh bien, ce n'était pas la fin du monde pour Washington. Il prépara ses troupes à prendre la fuite. Mais à l'aube, sur cette île, les Britanniques les verraient facilement et les cerneraient. Mais le brouillard est tombé. Il est tombé et il est resté jusqu'au lever du jour, permettant ainsi aux troupes américaines de se cacher et de s'échapper sans être vues. C'est bien grâce à ce brouillard que les Américains et la cause qu'ils défendaient ont une fois encore triomphé. L'histoire nous apprend qu'il ne faut jamais désespérer. Tous les espoirs sont permis. Nous sommes promis un meilleur avenir. L'histoire est en marche. Quelle sera votre histoire ? Tu tiens pas debout ou quoi? Mon père avait une fille qui aimait un homme. Ah, alors c'est vous qui aviez ma machine à fumer. Je suis désolé. Mais grâce à elle, l'ambiance était parfaite. J'en suis ravi. J'aurais dû vous la demander. Plus rien ne m'étonne de votre part. Ah, je connais mes défauts. Je sais comment vous faire pardonner. Et comment? Aidez-moi à travailler un passage de cette pièce. Racontez-moi ce qui s'y passe. C'est une scène dans laquelle Viola est travestie en homme. Elle s'adresse à Orsino et lui parle d'une jeune femme très amoureuse d'un homme, mais qui ne sait pas comment le lui avouer. Comment voulez-vous faire jouer les personnages? Je sais pas. Je dois trouver le juste équilibre entre le romantisme et l'humour. Viola fait presque une déclaration d'amour à Orsino qui ne se rend compte de rien. Alors, est-ce que je les place face à face, à une certaine distance l'un de l'autre? Je sais pas. Elle pourrait peut-être se rapprocher de lui au fur et à mesure qu'elle lui parle. Et quand elle se rappelle qu'elle est travestie, elle fait quelques pas en arrière. Mm-hmm. Bien. On fait un essai? Ça vous dit? Bien sûr. D'accord. Quelle page? Page 141. Mon père avait une fille qui aimait un homme, comme il se pourrait que moi, si j'étais une femme, j'aimasse votre Altesse. Et quelle est donc son histoire? Une page blanche, monseigneur. Jamais elle ne révéla son amour. Elle laissa sa passion cachée, comme le ver dans un bouton de fleur, dévorer les roses de ses joues. Dans ses pensées, elle se languissait, et le visage blême et jaune de mélancolie, elle était tranquille, telle la patience sur un monument, souriant à la douleur. N'était-ce pas là véritablement de l'amour? Nous, hommes, nous pouvons parler davantage, jurer davantage. Mais en vérité, nos démonstrations vont plus loin que notre volonté. Car nous nous montrons toujours prodigues en serment, mais avares en amour.
Maman, je trouve pas les clés... les clés de la maison. Ah, on était en train de répéter une scène. Viola ne devrait pas faire un pas en arrière à la fin? Oui, et Orsino devrait peut-être rester immobile. Oui. Je vais attendre dehors. Hein, j'y vais. Non, mais t'as vu comment Ashley springue? Ben... Ouais, et sa coupe de cheveux. Max! Rends-moi ça. Texte-toi ta maman. Ça suffit, voyons, arrête. Là. Oh, tu voulais t'acheter quelque chose. C'est intéressant. On peut t'aider à choisir. Ouais, bonne idée, Dan. Rends-moi mon téléphone. J'ai besoin d'une paire de chaussures, peut-être rose bonbon. Arrête. Hey, laisse-le tranquille. Hé hey, j'avais pas fini. Bah maintenant, t'as fini. Tu fais quoi, là? Mais qu'est-ce qu'il a? Tu me fais flipper, là. Y a pas de quoi. Y a pas de quoi? Tu te rends compte de ce que t'as dit? Et toi, tu te rends compte? Je sais pas ce qui t'arrive, mais va falloir te reprendre. Non. Tu vas continuer à prendre la défense de Max? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien du tout, sauf que ça m'intéresse pas de sortir avec le nouveau Nick. Alors toi et moi, c'est fini. Essaie de pas te noyer dans tes larmes la nuit. T'inquiète pas pour moi. Oh, quand je vois tous les ourlets que j'ai à faire. Alors, elle plaît à vos élèves, la pièce? Oui, quand je leur ai fait le résumé, ça va, mais pour le niveau de langage, c'est autre chose. Vous avez déjà travaillé sur La Nuit des Rois? Pas en tant que professeur. Mais j'ai déjà fait le rôle de Viola quand j'étais étudiante. Oh, oh. Alors c'est vous qui devriez jouer cette pièce? Non. Pourquoi? Je joue la comédie et je me déguise tout le temps, ce serait une source d'inspiration pour eux. Je serai peut-être leur source d'inspiration l'année prochaine. Je croyais que vous ne restiez que jusqu'à la fin de l'année. Oui, mais les choses ont changé. Comment Ashley gère la transition? Aussi bien qu'on pouvait l'espérer. C'est une bonne élève. Elle est intelligente. J'ai remarqué qu'elle faisait tout pour être discrète. Oui. Mais j'ai l'impression qu'elle a des choses à dire. Nous avons eu des moments difficiles. Le divorce? Non, enfin oui, mais il y a longtemps, c'est du passé. Elle date de quand, cette photo? Je l'ai prise il y a 5 mois environ. Elle avait des tas d'amis. C'était une excellente élève. Enfin, aussi excellente que peut l'être une fille qui passe plus de temps sur son téléphone que sur ses devoirs. Mais... soudain, sans comprendre pourquoi, tout le monde s'est mis à la détester. Impossible de savoir pourquoi tous ses amis s'éloignaient, c'était... Enfin bref, on a fini par découvrir un profil en ligne, une page personnelle en lien avec tous ses amis du lycée. Des personnes se faisaient passer pour elle. Elle racontait des horreurs, des monstruosités sur tout le monde, et bien sûr, ils ont tous cru que ça venait d'Ashley. C'était qui, en réalité? Deux de mes élèves. Deux filles. Elles ont été arrêtées? Non. Apparemment, la loi ne fait pas bien la distinction entre certaines formes de cyberharcèlement et la notion de liberté d'expression. La police locale n'a pas voulu aller plus loin. Ils ont dit, en supposant que les accusations soient fondées, que c'était affligeant et regrettable, mais apparemment pas illégal. Ils ne vous ont pas cru? C'était une petite ville avec une communauté très unie. Et certains adultes étaient convaincus des horreurs qu'on attribuait à Ashley. C'est absolument inacceptable. Si ça ne tenait qu'à moi, elle serait exclue du lycée. Comment est-ce qu'on peut élever son enfant aussi mal? Attendez, vous devriez avoir honte de vous et de votre fille. Les mensonges se répandent plus vite que la vérité. Et dans l'esprit de tous, Ashley était coupable, point final. Au lycée, les élèves ont commencé à la rejeter, puis à l'agresser. Ce que ces deux filles avaient mis en ligne a provoqué un déferlement de haine.
Combien de temps a duré cet enfer? 2 mois. Qu'est-ce qu'il a dit, l'avocat? C'était pas bon. Mais ça va se calmer. Tout va redevenir comme avant, ma chérie. Non, maman, il faut rester toi, ça va pas se calmer. Reste pas là. Ashley m'a supplié de déménager. Et on est parti en pleine nuit, 2 jours après. Je suis vraiment désolée. Il faut pas. Enfin, pas pour moi, je veux dire. Et est-ce que je peux faire quelque chose? Soyez patient avec elle. C'est une gentille fille. Il va lui falloir du temps pour retrouver confiance en elle. Merci de m'avoir aidée. Merci pour la pizza. Ces filles, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Ashley avait décroché le premier rôle dans une pièce. Elle adorait le théâtre. J'avais même demandé à 2 autres professeurs de distribuer les rôles pour m'assurer de ne pas la favoriser inconsciemment, mais... une des filles voulait le rôle à tout prix. C'est pas vrai. Tout ça pour ça. L'enfer est plus doux que la fureur d'une femme éconduite. Et c'était que des ados. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu faisais? Mes devoirs. Ah. T'aurais pas envie de faire une pause? Si. T'es prête? Ouais, je crois. J'espère que t'as pas le vertige. Non. Tant mieux. Avant de te lancer, petit cours théorique. Tu t'agrippes aux prises et ensuite tu grimpes en poussant sur tes jambes. Et t'essaies de ne pas tomber. D'accord, ça a pas l'air sorcier. Je devrais pouvoir me débrouiller. Premier arrivé. Ah, attends. J'ai gagné. Bravo. T'es super doué en escalade. Mais est-ce que tu l'es autant sur une planche? Sur une planche? Regarde. Je suis passée au centre commercial hier et j'ai vu une jolie petite robe en dentelle, mais super. Salut. Qu'est-ce qui te prend, Nick? Me raconte pas d'histoire, tu t'es pas transformé en saint tout d'un coup, comme ça. C'est quoi ce changement? Une blague? Ou alors c'est juste un plan pour te taper Ashley, hey, Burnside, je fais ce que je veux, d'accord? Ouais, mais tu veux quoi? Rien. Continue comme ça et tu vas te transformer en mauviette. N'oublie pas qui tu es, mec. Elle est bonne, celle-là. Peut-être que je suis vraiment moi quand je suis avec elle. Julie, vous auriez des accessoires de la fin du XVIe siècle? Je sais pas, mais il y a un placard rempli d'accessoires que j'ai pas encore ouvert. Non, c'est vrai. Mais oui, mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je sais pas trop encore. En fait, je n'ai pas encore trouvé le truc qui rendra mon prochain cours plus percutant. Ah, on peut peut-être aller fouiller ensemble après les cours, si vous voulez. Je veux bien, oui. D'accord. Vous êtes trop mignons tous les deux. Dis pas de sottises. Oh, mais va en cours maintenant. Allez, bouge. Le devoir, tu l'as terminé? Non. T'as pas eu le temps? Pas eu envie, c'est toi. Salut. Salut. Je suppose que t'es au courant de la fête ce week-end? C'est pas trop mon truc, les fêtes. Allez, viens. Ce sera sympa.
Je te jure. Je verrai. C'est vrai? Ouais. Super. Ouais. Salut. Salut. Hé, hey, oh! Garde tes distances avec ce mec. Tu parles de qui? Fais pas l'innocente, t'es loin d'être son genre de fille, alors laisse tomber. Ashley. Oh, salut. T'es venue finalement. Ouais. Waouh. T'es très jolie. Merci. Ouais. Victoire. Bien. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est super. Ça te plaît? Ouais. Bon, t'es prête? Prête à quoi? Piquer une tête. Je me vengerai. T'es trop sexy comme ça. Et voilà. On y est. Ça a l'air plus prometteur que la dernière fête. T'exagères là. C'était nul. Nul à mourir. Waouh, il est trop craquant lui. Salut Carrie. Tu me présentes pas? Pas touche Burnside. C'est ma cousine. Salut. Moi c'est Mel. Et elle c'est Alana. Bonsoir. Ouais, bah, à tout à l'heure, hein, on se verra plus tard, on échangera nos numéros. Ah ben, peut-être. Non, arrête! J'ai pas fait exprès! C'est ça, je te crois! Je te jure que c'est vrai! Ah, tiens! Excuse-moi, ça va? Ouais. Je suis désolé. Non. La garce. De qui tu parles? J'en reviens pas. Incroyable. Alana, regarde qui est là. Mmh, Ashley. Vous la connaissez? Il y a de quoi se sécher ici? Ouais, bien sûr. Bonne chance. Merci. Nick. Salut. Il faut qu'on parle. Ouais, mais je suis un petit peu mouillé là. Il faut que tu vois ça. Ouais, d'accord. Ouais. On y va continuer. Salut Ashley. Mel, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas partie assez loin. On parle encore beaucoup de toi chez nous. Du mal que t'as fait. J'ai fait de mal à personne. Ouais, mais ça a aucune importance, tu le sais. J'arrive pas à y croire. Comment t'as osé faire ça? T'as détruit ma vie. Arrête maintenant. T'as eu tout ce que tu voulais, alors laisse-moi tranquille. Mais ce serait pas drôle. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi pas? T'as voulu me prendre ma place. T'es folle, t'es malade, Mel. T'es un monstre. Tu devrais avoir honte. Je suis pas un monstre. Et si tu crois que tu vas pouvoir me pourrir la vie ici, tu te plantes. Je pensais pas qu'on aurait des raisons de te pourrir la vie. Nick. Tu caches bien ton jeu. Quoi? Ta reine a pris 10 kilos pendant le week-end en se tapant des donuts. C'est toi qui as fait le montage? J'ai découvert Libby dans les toilettes avec le concierge. C'était chaud.
Lisa, si tu t'achètes pas de chewing-gum, je vais te javeliser la bouche. Très drôle. T'as un profil très intéressant, Ashley. Johnson. J'ai écrit aucune de ces horreurs. Sans blague! Tu crois que tu vas réussir à nous faire croire que t'as rien à voir avec ça? Tu sais combien de gens t'as fait souffrir dans la ville où t'habitais avant? Et maintenant t'essayes de faire pareil ici? Nick, s'il te plaît, écoute. Non, Ashley. J'en ai marre d'écouter tes histoires. D'ailleurs, j'aurais jamais dû t'écouter. Parce qu'à cause de toi, j'ai failli perdre mes amis. Tu sais ce que t'es? La plus grosse des hypocrites. T'es tellement occupée à juger les autres que tu prends même pas le temps de te regarder dans une glace. Nick, ne crois pas tout ce qu'on raconte à mon sujet. T'es qu'une sale hypocrite! Va-t'en d'ici! Personne veut de toi, de toute façon. Va-t'en, Ashley. Ashley? Ashley? Ashley, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a quelque chose à voir avec Nick? Laisse-moi, j'ai pas envie de parler. Ouvre la porte. S'il te plaît, maman. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Salut Ashley. Ça va? Ouais. J'ai vu la vidéo, j'ai vu ce qui s'est passé l'autre soir. Je suis vraiment désolé. T'es une ordure, une pourriture! Lâche-moi, laisse-moi. Comment t'as pu être aussi méchante avec ma cousine? J'ai pas été méchante et je suis prête à parier que tu le sais. Ouais, mais ça c'est notre petit secret. Carrie! La prochaine fois que t'insulteras ma famille, je te préviens, t'auras affaire à moi, c'est clair? Mel dit qu'il lui a fallu 2 mois pour te faire quitter la ville. Je parie que j'y arriverai beaucoup plus vite qu'elle. Elle le mérite. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Arrête ton numéro. Je te jure que c'est pas moi. Alors t'as demandé à quelqu'un de le faire? Peut-être, mais ça tu le sauras jamais. Pourquoi tu me fais ça? J'ai besoin d'une raison. Dégage, laisse-moi passer. Lâche-moi! Doucement. Arrêtez, ça suffit. J'ai dit, ça suffit. Je ne m'attendais pas à ce genre de comportement de votre part. Vous êtes les 2 dernières filles que j'aurais cru capables de se battre. Elle a vandalisé mon casier? J'aurais jamais fait une chose pareille. C'est peut-être même elle qui l'a fait. Vous savez jusqu'où elle est allée dans son ancien lycée pour se faire remarquer? Ah, tu sais que c'est pas vrai. Regardez toutes les méchancetés qu'elle dit. Ce sont des mensonges. Madame Tanner, j'ai grandi ici. Vous me connaissez. Est-ce que ça me ressemble? Ashley, vous êtes nouvelle ici et votre mère a été très évasive sur votre passé. Mais dans mon établissement, on ne tolère pas qu'un élève en agresse un autre. Je suis celle qui a été agressée. Oh, menteuse, c'est toi qui m'as attaquée. Ashley? Mais qu'est-ce qui se passe?
Max, vous savez où est allée Ashley? Elle est partie par là. Ah, merci. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ashley! J'en ai marre. J'arrête tout, j'abandonne. J'ai parlé à Madame Tanner, ça va s'arranger. Elle t'a cru. Tu vois, ça recommence comme avant. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je sais pas. Mais on va se battre. Pourquoi, maman? Ça servira à rien, c'est perdu d'avance. Personne voudra me croire, même si je dis la vérité. Et puis, rien de tout ça serait arrivé si j'étais pas ta fille. Tu es injuste avec moi. Non, maman. T'arrêtais pas de dire que j'étais une excellente élève. T'arrêtais pas de faire des compliments sur moi. Normal qu'il s'en soit pris à moi. Si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été forcément quelqu'un d'autre. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Je comprends. Et maintenant, tu sors avec Monsieur Carlyle. Tu veux me rendre la vie encore plus difficile. Je sors pas avec lui. Ça y ressemble, en tout cas. Écoute. Ashley. Si tu veux rejeter la faute sur moi, vas-y, ça. Ça ne me dérange pas. Mais il vaudrait mieux blâmer les filles qui sont réellement fautives. Blâme Alana, Emel et Carrie aussi. Si ça peut t'aider, rejette la responsabilité sur tous ceux qui ont refusé d'entendre la vérité. Des coupables, je suis sûre qu'il y en a à l'appel. Mais quoi que tu fasses, surtout, ne leur donne pas le plaisir de détruire le lien que nous avons. Je suis désolée. Ma chérie. Tu sais ce que je me dis? Peut-être qu'on n'aurait pas dû s'enfuir. Finalement, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Je veux que ça s'arrête. Je suis fatiguée. Je sais. Je sais. Je sais plus ce que je dois faire. Bien quoi que tu fasses, quoi que tu décides, rester ou partir, te battre ou fuir, on le fera ensemble, d'accord? D'accord. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Ça va aller. Cérémonie et bal étaient les premiers concours de beauté. Ma mère, mes tantes et mes sœurs ont perpétué la tradition et remporté des victoires. Je suis sûre de suivre leur voie et d'avoir ma place dans les concours de beauté et leur histoire. Ouais, sympa. Pas mal. Hein. Merci, Kylie. C'était intéressant. Hé, hey, Nick. Oui, j'ai terminé. Ça te dirait d'aller au cinéma ce soir? Non. Nick! Quoi? T'as pas vu Ashley? Non, et j'ai pas envie de la voir. J'en reviens pas que tu la crois capable de ça. Parce que t'as des doutes? Je connais bien Ashley. Je peux pas y croire. D'accord, bah t'es le seul. Écoute, Max, je l'ai vu, j'ai vu ce qu'elle avait mis en ligne. C'est pas parce qu'on voit ou qu'on entend quelque chose que c'est forcément vrai. Ça veut pas dire non plus que c'est faux. Entre nous, est-ce que ça ressemble à la Ashley que tu connais? C'est simple, cette fille... C'est... Pose-toi la question. Puisque tout le monde la détestait à cause des horreurs qu'elle aurait publiées. Si ça avait été elle, pourquoi elle les aurait pas supprimées? Écoute, j'en sais rien. Moi, je suis sûr qu'on a créé un faux compte. Eh ben, crois ce que tu veux. Tu te rappelles de la rumeur que t'avais lancée sur moi? La proviseur et les 10 personnes les plus recherchées du FBI? Ouais, et alors? Qu'est-ce qui allait le plus vite? Lancer la rumeur ou mes efforts pour rétablir la vérité? Accorde-lui le bénéfice du doute. Thank you.
peux vous aider ? Oui, Ashley est là ? Elle n'était pas assez en forme pour aller au lycée aujourd'hui. Elle est là ? Elle a répondu ? Non. Alors non. Écoutez, je voudrais seulement lui parler. Ashley. Écoute. J'ai été bête. J'ai entendu certaines choses sur toi et j'en ai conclu que c'était la vérité. Mais je sais pas ce qui t'est arrivé avant que tu viennes ici. Alors si je devais l'apprendre, je préférais que ça soit par toi. Pourtant, t'étais convaincue de tout savoir sur mon compte. Oui, mais c'était stupide. Tu peux te mettre en colère. Enfin, tu l'es déjà, apparemment. Bon, tiens, si ça peut t'aider, défoule-toi sur moi. Ça va mieux ? Non. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait me faire du bien. Leur dire leur quête vérité ? Tu crois que ça les ferait changer ? Pour moi, ça a marché. Quand t'as critiqué ma façon de me conduire. Alors, essaie. La solution, c'est de partir d'ici au plus vite. T'as l'intention de déménager ? J'aimerais, ouais. Enfin, j'en sais rien. Reste. S'il te plaît. Tu peux même pas imaginer ce que je vais endurer si je reste. Je serai là avec toi. T'as dit que tu savais pas ce qui s'était passé. Aucune importance. Je te connais. Salut. Salut. Je savais pas que tu jouais de la guitare. Oh non, pas du tout. Je sais pas en jouer, mais... Je me suis dit, puisque ma vie ressemble à une chanson de cow-boy triste, autant apprendre. Je t'ai apporté les prochains devoirs à faire. Génial. Merci. Oh, c'est normal. Oh, au fait, tu sais, ton exposé sous forme de vidéo, c'est pour demain. Oh, je l'ai pas encore commencé, c'est la cata. Attends, tu veux un coup de main ? Salut Max ! Ouais, c'est Nick. Je voulais savoir si tu pouvais nous aider à faire un truc. Ouais, on est chez Ashley. D'accord. C'est bon, il arrive tout de suite. Super. Je crois que ça fera l'affaire. Ouais, c'est parfait. Ça voudra dire que tu es innocente. Embarquons-la ! Non ! Ah ! Max, c'est génial ce que t'as fait. Oh, merci. T'es vraiment sûr que tu vas y arriver ? Pirater le réseau du lycée, c'est un jeu d'enfant. T'inquiète, ça va être génial. Allez, on y va.
Bien, maintenant, passons à un nouvel exposé sous forme de vidéo dont le sujet est l'histoire dans votre vie. Ashley? Merci. Bonjour, je m'appelle Ashley Johnson, et non Evans. J'ai changé de nom quand j'ai emménagé ici, et je reviendrai là-dessus plus tard. L'événement historique dont je vais vous parler concerne de nombreux pays. Chez nous, les faits se sont déroulés il y a plus de 300 ans. C'est l'une des pièces les plus populaires de Shakespeare. Le phénomène a provoqué entre 50 000 et 100 000 morts. C'est dans un village du Massachusetts, autrefois appelé Salem, que tout a commencé. Des filles furent soudain atteintes d'un mal étrange, si étrange qu'il troubla les autorités locales. Sais-tu ce qui est arrivé à ces filles? C'est à cause des sorcières. Il y a 3 sorcières, elles leur ont jeté un sort. Allons chercher ces sorcières. Tu es donc une sorcière? Je ne suis pas une sorcière. Tu mens, parce que ce n'est pas ce que tout le monde dit. Mais ce n'est pas vrai, je vous le jure. C'est ce que nous allons voir. Noyez-la. Si elle remonte vivante à la surface de l'eau, c'est une sorcière. Mais si elle survit à la noyade, comment va-t-on l'exécuter? Nous la pendrons. Mais si jamais je meurs noyée? Dans ce cas, ça voudra dire que t'es innocente. On l'embarque! Non! Ah! Les accusations de ces filles ont déclenché une vague d'hystérie. Plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie et une vingtaine furent pendues. Les autorités finirent par reconnaître que la justice avait mal fait son travail. Maintenant, vous devez vous demander en quoi cet événement historique a un lien avec ma vie. Avant, je pensais que ce n'était qu'un détail sans importance. Et qu'il fallait savoir, oublier le passé, pour pouvoir aller de l'avant. Mais dans la ville où j'habitais avant de venir ici, bien que j'ai toujours été appréciée de tous, certaines personnes ont voulu salir ma réputation. On m'a accusée de choses monstrueuses. Alors que je n'avais rien fait. Il aura suffi de 2 filles et de fausses accusations pour qu'en l'espace de quelques jours, je perde la plupart de mes amis. 2 de mes plus proches amis ont tenu quelques semaines de plus. Les mensonges prenaient tellement d'ampleur que les gens se sont mis à m'agresser physiquement. À l'exception de ma mère, plus personne n'avait confiance en moi. Alors, 2 mois plus tard, nous sommes enfuis. Mais ça ne m'a pas aidé comme je l'avais espéré. Et ceux d'entre vous qui ont entendu des rumeurs sur moi ces derniers temps ne peuvent pas l'ignorer. Si j'ai une leçon à retenir de l'histoire, c'est qu'il y a encore parmi nous des gens qui aiment voir les autres souffrir. Que la loyauté se fissure sous la pression et qu'il y a très peu de chevaliers prêts à vous porter secours. Mais il en existe encore. Tout compte fait, mon passé, c'est pas la fin du monde. Parce que je sais que de meilleures choses m'attendent. Je dois simplement me battre pour les obtenir. Alors je suis là devant vous, pour vous dire que je n'attendrai pas que les coupables se dévoilent et avouent leur terrible faute. Ça suffit trop, c'est trop. Je vais pas m'incliner devant ceux qui ont eu du plaisir à me voir souffrir. À Salem, pour détruire une personne qu'on n'aimait pas, il suffisait de la traiter de sorcière. Et aujourd'hui, il suffit d'inventer des mensonges. D'une certaine manière, j'ai été accusée de sorcellerie. Le tribunal des sorcières me juge coupable, quoi que je dise. Mais je sais ce qui s'est passé. Alors maintenant, c'est à vous de décider. Soit vous pensez et réfléchissez par vous-même, soit vous attendez que je me noie. Si l'histoire est ce que l'on en fait, alors la mienne sera de faire éclater la vérité. Je m'appelle Ashley Johnson. Tu es une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. On
m'a accusé de choses monstrueuses, alors je suis là devant vous. Ça suffit, trop c'est trop. Si l'histoire est ce que l'on en fait, alors la mienne sera de faire éclater la vérité. Il aura suffi de deux filles et de fausses accusations pour qu'en l'espace de quelques jours, je perde la plupart de mes amis. Et vous, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi en face. Bon. Maintenant que tout va bien pour Ashley et toi, tu crois pas que le moment serait venu d'officialiser notre relation? Oui, j'en ai bien l'intention. Elle est forte, j'ai confiance en elle. Elle va gérer. Et puis elle aussi, elle a un amour.